m'appelle Thierry de Monceau, je suis vétérinaire de formation et je travaille actuellement dans l'industrie pharmaceutique. Je suis responsable des opérations et de la transformation digitale au sein de Bayer Healthcare dans l'unité de médecine générale qui traite en particulier de la cardiologie. J'appartiens à la première promotion de cette formation Management de l'innovation technologique dispensée par l'école Polytechnique Executive Education et j'ai été certifié il y a maintenant un petit peu plus d'un an. J'ai choisi cette formation parce qu'elle correspondait parfaitement et juste au bon moment aux besoins que j'avais de compléter mes compétences et de préparer l'entrée dans ce nouveau poste de gestion de l'innovation au sein de mon entreprise. La formation était parfaitement adaptée à cet objectif. Je l'ai découverte à l'occasion du webinaire de présentation et je me suis engagé très rapidement. Je citerai pragmatique, je citerai éclectique et le dernier serait stimulant. Pragmatique parce que la formation a été proposée de manière extrêmement adaptée à une situation complexe, en l'occurrence la pandémie, qui nous empêchait les uns et les autres de voyager. Et moi j'habite dans le sud de la France, donc le fait d'avoir une formation dispensée en distanciel, en utilisant les moyens aujourd'hui permis par le digital, c'était la meilleure solution. Et de manière très pragmatique aussi, le contenu s'adapte parfaitement aux besoins et la crainte qu'on peut toujours avoir dans une formation, c'est qu'elle soit trop théorique. Et là, elle était parfaitement adaptée aux conditions pratiques de l'exercice que j'ai dans ma vie professionnelle. Éclectique parce que les contenus et les conférenciers, les formateurs sont d'horizons extrêmement divers. Il y a une grande variété de sujets abordés autour d'un thème qui finalement semble assez restreint, l'innovation technologique. Mais on a à la fois de l'histoire de l'innovation, des notions techniques comme la blockchain ou l'intelligence artificielle, ou des notions sur les process dans l'entreprise, des résistances au changement, le management des organisations. Donc c'est extrêmement varié, tout à fait adapté aux diverses situations qu'on rencontre en pratique. Et pour finir, stimulant. Alors stimulant, c'est au sens de challenging en anglais. Hein. C'est vraiment ce côté remise en cause du statu quo. Je prendrai deux exemples. La conférence de Thierry Reyna sur la blockchain, hein, qui à la fois apporte beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances sur la technique, mais la remet également et en même temps en cause pour nous donner à la fois de l'intérêt, de la curiosité, mais également un sens critique qui est nécessaire dans tous ces process. Et puis j'ai aussi vécu cette notion de stimulation dans la présentation du travail collectif réalisé en mode projet avec deux membres du jury qui étaient extrêmement inquisiteurs et qui posaient vraiment les bonnes questions sur le projet que j'avais développé avec un groupe. Donc oui, beaucoup de stimulation, beaucoup de remise en cause et c'est ce qu'on attend d'une formation. Alors ça m'a permis d'asseoir ma position très rapidement dans mon nouveau poste et de suivre deux projets en particulier autour de la télésurveillance des patients dans les domaines de l'insuffisance cardiaque et du diabète. Un premier projet qui a été le projet mené en équipe avec le groupe de travail de la formation, projet qui portait sur un outil de télésuivi des patients diabétiques. Et puis un deuxième projet qui est toujours en cours, de partenariat avec une start-up dans le domaine du suivi de l'insuffisance cardiaque à distance. Donc des projets tout à fait d'actualité pour mon entreprise.